Les gars, aujourd'hui, on va former deux équipes, là, pendant que vous n'êtes pas à l'étude, et on va œuvrer, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du ramassage des déchets. On voit des fois, quand on va courir, il y a des déchets partout. Moi, ça m'arrive des fois de les prendre et jeter. J'ai même vu certains d'entre vous le faire aussi. Des fois, quand on va courir, quand on marche, prendre une bouteille d'eau, l'acheter, ça nous coûte rien. Se laver les mains derrière, évidemment, mais ça nous coûte rien et ça protège la planète. Donc, on va former deux équipes de quatre à chaque fois et vous allez avoir un sac poubelle, vos petits gants et ça va vous permettre, on va aller dans un endroit et vous allez devoir ramasser le maximum de déchets. Vite, mon équipe, vite, vite. Non, restez là. Restez là. On a fini le ramassage, on a fait un bon tour de la forêt de Magnanville. C'était assez propre, on n'a pas réussi à beaucoup ramasser. Là on a un bon gros sac bien rempli, après on a un sac à moitié rempli avec des gros déchets. Et là je vois que le sac il est archi léger, on va pas réfléchir 10 000 ans et l'équipe des jeunes ils ont gagné. Allez allez, du surplus les gars, du surplus. Donc les gagnants, vous avez gagné un maillot chacun. Mais il est incroyable. Merci Abdi. Aujourd'hui c'est moi qui vais faire l'entraînement, pour ceux qui étaient là lundi, Romain est en formation toute la journée. On a préparé ensemble la séance, ça va être une séance qui va ressembler à celle de lundi, avec un peu de coordination. Vous avez votre premier match samedi, c'est ça? Oui. Ok, vous êtes, ça fait longtemps là, vous êtes impatient normalement? Oui, oui. Non, on est d'accord. C'est logique, c'est logique. On est impatient. Donc victoire samedi? Oui, bien sûr. C'est bon les gars? Oui. Nassim, c'est bon? Tu peux rentrer maintenant. Donc comme on vous avait dit, on a envoyé vos tailles et vos pointures à Adidas. Ça serait bien que le mercredi on vienne tous s'entraîner et qu'on soit tous jolis, tu vois. Parce que déjà vous avez des têtes bizarres, ce serait bien qu'on ait des corps corrects. C'est Zidane qui fait la chose. Allez, allez. Ouais. Ça, c'est Ilyes. Il est rapide lui, hein, pour un mec en retard. C'est Ilyes, c'est Ilyes. Ilyes. J'ai enfin un t-shirt à ma taille. Comment j'ai choisi, il y avait pas ça. Bah non, mais lui il s'est fait désirer lui. Ça c'est droite ou gauche? A ton avis en anglais on dit comment, droite? Right. Et là il y a quoi? Et donc du coup? C'est quoi, SM alors? Hein? C'est la taille. Aujourd'hui on va faire un entraînement un peu spécial, un spécifique un peu spécial. Le but va être très simple. Je vais voir si vous êtes vraiment des attaquants efficaces ou pas. Vous allez vous affronter tous les trois. Vous voyez la petite coupelle qui est là? Je vais vous mettre une coupelle juste ici. Vous avez trois chances pour viser la coupelle. Ok? Je vais vous mettre un but, un petit but qui est juste là. Vous devrez être en dehors de la surface de réparation et vous devrez marquer. Si vous tirez là-dessus, c'est un point. Si vous tirez dans le but, c'est un point. Si vous arrivez à faire les deux, c'est trois points. Vous avez trois essais chacun. Celui qui gagne, je lui offre un blaster. Les gars, déjà, vous prenez un blaster chacun. Mais par contre, si vous avez un blaster, vous avez des lunettes. Et là, toi, t'as fait le tournage avec Nerf. Là, c'est des lunettes stylées, là. Là, tu vas avoir un look. T'es déjà allé au ski? Papa, papa. Équipé. On dirait Ant-Man. 1, 2, 3, let's go. Rater plus haut. Plus haut. Alors, allez, allez, on y va. Contrôle de balle. On y va. Allez, 0 point. Ouh, presque. Oh là là. Ah, c'est raté. Allez, dépêche-toi. Oh là là, le rebond, c'est dommage. Oui, c'est bon, direct, direct, tu peux y aller. Un point. Tu restes concentré. Et là, tu vises bien. C'est le but qu'il faut viser. Prends ton blaster. Toi, tu veux mettre que des lucarnes. Toi, t'es déterminé, t'es déjà prêt. Il y a déjà 1-0-0. Ouh, un peu à gauche. C'est bon, tu peux y aller. Ah, c'est dommage. Oh, à gauche encore. Allez, va mettre le but, t'as plus le choix maintenant. Oh là là, encore le rebond malheureusement. Oh là là, attention. Oh, mais lui il est trop chaud. Allez, tu me mets le but, c'est 3 points. C'est bon. Lui, il a un vrai problème. C'est à ras de terre, tu le vois bien. Oh. Oh oui, vas-y, super. Allez, tu me mets le point. Bien joué! Voilà! 0. Bien joué, Dadri! À la dernière! Allez! Oui. Bien joué! 3 points! Attention, tout va jouer ici. Ce monsieur est à 4 points. Oui. Tu es à 2 points. Oui. Est-ce que tu as bien compris ce qu'il fallait faire? Oui. Ta seule possibilité de gagner, c'est quoi? De toucher et de marquer.
ça se voit qu'ils vont à l'aide au devoir. Ah. Oui, voilà, c'est bon, 3 points. Allez, maintenant il faut te concentrer. Là, si tu mets ce point, tu repars avec le blaster à la maison. C'est parti. Concentre-toi. Oh là 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 là, Yanis. Yanis. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Bien joué. On a notre grand gagnant. Tu te présentes. T'as quel âge? Tu viens d'où? J'ai 13 ans. Je viens des Mureaux. Voilà. Et est-ce que tu aurais préféré passer dans la première vidéo du Vince KFC avec autre chose que ses lunettes? Non. Non? Tu es heureux d'avoir ses lunettes? Tu es heureux d'avoir ce blaster? Ouais. Ok. Maintenant, je vous laisse retourner à votre entraînement, mais tu seras notre prochain attaquant. Ah, c'est fait. Ça va. Ouais, ouais. Non, ouais, ouais, tu vois Lilou là? Attrapé, tu vises ses chaussures et tu tapes fort dans les chaussures. Ah, tu m'as demandé, hein? Allez, allez, vise Lilou. Allez, attrape-la, Lilou! Allez, Wassou, allez, Wassou. Elles sont moches, mes chaussures. En fait, c'est Raïs. Tu les flouteras, tu les enlèveras. Bien joué, Anna! Allez! Allez! Vite, vite, reprends. Non, 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 elle est passée. Elle a... Non, elle est passée, elle est passée. Sur le caméraman. Ouais. T'inquiète, t'inquiète. Ok, il filme tes chaussures, mais il faut pas l'attaquer. Non, mais j'ai compris. Ben, mais, j'ai compris elle, le message. Elle est très vicieuse. Hein. Elle est très vicieuse. Tu attaques pas le caméraman. T'as jamais tiré? Attends, 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 attends. Allez Anna, 7 tours. 6. Non. 7. Non, 6. Allez. Non, non. Allez. Non. Allez Anna. 10 si tu veux. Oh. Bon bah on va la faire tourner 7 fois à chaque fois elle. 10. Ça fait comment? Ça fait comment? Ça fait comment? Vas-y. Oh. Encore, 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 encore. Encore. Ah. Elle arrive à se positionner. Eh mais oh. Lucas gauche, Lucas droite. Ça fait un an que je les entraîne, vous avez vu la qualité des frappes. Voilà, il y a un moment, il y a du savoir-faire. Ça, c'est grâce à Bobby, ouais, tout Bobby. Le travail qu'on a fait sur Bobby. Mahmoud aussi. Mahmoud et Yuko, Yuko. Yuko, elle s'appelait. Si vous connaissez pas, bah c'est les... C'est nos trois personnages. Et voilà. C'est merci, c'est très bien expliqué, bravo. Ils vont tout comprendre, là. Ah, on a trois personnages pour tirer dessus et après on remporte des points. C'est du personnage vert. Vert. Non, c'est jaune fluo. Ça commence. C'est jaune fluo, jaune fluo. Il faut faire trois passes consécutives pour marquer un point. Si elle est interceptée, on repart à zéro, ok? Et si la balle elle est interceptée, elle n'est pas interceptée par exemple, juste il a touché, elle revient. Ça veut dire qu'elle est touchée. Dernière fois. 3, 1 point. 1 point pour les bleus. Toi qui es nouveau, je t'amène dans le seul endroit calme de ce club. C'est le seul endroit où tu y vas, c'est calme, c'est pépère. Attends, mais ça existe des soustractions avec plusieurs étages. Avec trois étages. À trois étapes. Attends, attends, tu m'étonnes d'avoir 17 de moyenne. J'ai 18. T'as 18 de moyenne? Ouais, tu peux te demander à Yanis. C'est la preuve qu'on peut avoir 18 de moyenne et être un peu désordonné dans sa façon de... Ouais. Toi là, tu t'effaces un truc, tu mets l'addition par-dessus. Genre, tu peux mettre de l'espace, ta feuille elle est gratuite. La peinture que t'es les points de compléter sur la copie là. En plus là on est d'accord. C'est pas moi, c'est... Tu manges les feuilles. Non c'est pas moi. Là prends ma définition. C'est quoi, c'est la définition de quoi? De la médiatrice. Et alors vas-y, c'est quoi une médiatrice? Une médiatrice c'est un côté d'un triangle. Non, ah mais je sais pas moi encore. Est-ce que c'est une médiatrice ça? Bien sûr. Vas-y c'est quoi? Médiatrice, c'est simple, c'est la ligne qui part de l'angle dans un triangle rectangle, c'est la petite ligne qui part de l'angle du triangle rectangle jusqu'en bas. La perpendiculaire. Ouais, à la base, ça va de la perpendiculaire à la base, c'est pas ça. Bah là j'ai peur, oui, je stresse. Bah la médiatrice, d'un côté d'un triangle et la droite perpendiculaire à ses côtés en passant par son milieu. Alors tout à l'heure, on pouvait pas savoir qu'elles étaient parallèles. Là, on a la certitude qu'elles sont toutes les deux parallèles, pourquoi? Parce que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Ça veut dire que là, tu as deux droites qui sont parallèles. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à celle-ci. Donc à ce moment-là, on a la certitude qu'elles sont parallèles ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si tu vois deux droites un jour qui sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite, alors tu es sûr que ces deux droites, elles sont parallèles. Les deux, elles sont sur la même droite. Parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite. D'accord? Oui. Donc en gros, là, ce qu'on te demande de dire, c'est qu'elle est montrée que D3
et D4 sont perpendiculaires. Vous savez que D3 c'était aux États-Unis. Là c'est fini. On est en géométrie là, on est pas aux États-Unis. Ils ont fini leur devoir. Du coup, on passe à une autre étape. Tu dis Didier Deschamps. Exactement, vous êtes Didier Deschamps. La liste, c'est ce soir. Vous me ramenez 23 joueurs. Vous me notez les 23 joueurs que vous emmenez. C'est comme ça, c'est 23 ou 26. Hugo Lloris, non, non, à sac 2. Non, on vous donne pas l'orthographe, vous notez et ouais, j'aimerais bien voir. Ça s'explique comment je le dis. Tu vois partout, comment tu sais pas l'écrire? Oh. Mais c'est vrai que tu sais l'écrire toi? Bien sûr, M, B, A, 2 P, E, accent aigu. Amine, je t'aime trop, tu m'as donné la réponse. Attends, déjà, fais ta liste, vas-y. Mais commence par les goals. Arrête de commencer par les buts. Ok, les goals, je convoque Hugo Lloris à. Areola. Ouais. Il faut un troisième gardien, il faut un troisième gardien. C'est obligé. Ouais. Mignon. Il est blessé. Ah non, je t'ai dit t'avais le droit blessé. En DC, je mets qui PMB ou pas Mécano, Koundé. Ouais. Varane, je le mets pas. Milieu, je mets Kanté, Gendouzi, Rabiot, Pogba, Kamavinga, Nkoukou, Tchouameni. AD, je mets Dembélé. À gauche, je mets Coman, Griezmann et BU, je mets Mbappé, Benzema. Il a pris un. Donc il a oublié les deux Hernandez. T'as pas fait une liste de 23 là, il t'en manque plein. Le logo il est incroyable. Tu vois des gros mots. J'aime trop le logo. Il dit ça alors que ça fait 2 ans qu'on a le même logo. Tout le monde est là en fait. Ça fait 2 ans que tu portes le même short. Et alors t'aimes pas le logo toi? Tu veux un nouveau logo? Non c'est pas ça. C'est juste que il dit qu'il est beau alors que ça fait longtemps qu'il l'a. Ça gère de tout. C'est un paillot. Ouais. Que ce soit pour les consignes sur le terrain et en dehors et qu'on va bien respecter les postes et ce que Edouardo va vous dire. Je vous souhaite un très bon match et passez un bon moment et surtout prenez du plaisir. Bon match les garçons. Merci. Les matchs ça dure 2 fois 30 minutes avec une pause coaching à chaque mi-temps, c'est-à-dire au bout d'un quart d'heure. 15-15. Il y a une pause coaching d'une minute, une minute et demie et moi je ferai les changements à ce moment-là. Donc je ferai un premier changement à la première pause coaching. Et l'autre changement à la mi-temps. Deux consignes principales. Quand on a le ballon, on écarte. Et quand on a. Ça veut dire quoi écarter? Aller sur les côtés, on prend de l'espace. Quand Mika a la balle pour la relance, donc tu as deux possibilités. Soit tu la relances à la main, si tu as un attaquant sur toi, mais si tu es tout seul, tu peux faire une relance au pied. C'est quoi les consignes de jeu? Quand on a la balle, on écarte, et quand on n'a pas la balle, on resserre. Quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, on doit l'aider. On l'encourage. On est toujours l'un pour l'autre. Allez. On se kiffe, c'est toujours positif. 1, 2, 3, 4, allez, on se place. Allez, fini. Contrôle passe. Mathias va aider. Amiral, vas-y, Amiral. Voilà. Amiral, va. Accélère. Voilà. C'est bien les blancs. Allez, Thierry. Ouais, Thierry.
pourquoi il a pas changé de côté? La balle tout de suite. J'ai cru que c'était lui. Vas-y, 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 Allez Mathias, validé. Regarde derrière toi. Oui. Tout de suite, regardez. Sur cette première mi-temps, vous avez été efficace. Vous avez eu des occasions. Et la moitié des occasions, vous les avez mis au fond. C'est très bien. Le point qu'il faut améliorer, contrôle, passe. Contrôle, passe. Les défenseurs latéraux, Siré, Owen, Bakary, quand il a la balle, Mikaya, c'est pas dire hé, non, hein. Il faut bouger, il faut chercher à être vraiment démarqué. Il faut se déplacer. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire les latéraux? Que doivent faire les latéraux en temps? Premier match, on gagne. Premier match, 15-1. Hey, Lilian. Hey, vous êtes...